la métropole du Grand Paris, on a un gros problème dans nos 131 villes. On en a près de la moitié qui sont en situation de détresse pour leur centre-ville. Alors je le dis aux maires qui risquent d'être candidats, venez parce que les crédits sont là pour vous aider. Je veux que les maires prennent leur destin en main, qu'ils aient la volonté de dire à leurs habitants « Le centre-ville est beau, venez faire du commerce dans votre centre-ville ». Je vous propose qu'on le fasse ensemble. Merci. Je crois que votre programme de valorisation des centres-villes, comme ceux que nous pouvons développer, permettent d'offrir à notre pays la perspective d'un développement plus durable et plus partagé et plus harmonieux sur l'ensemble du territoire. Je voudrais parler en particulier de la foncière. Elle permettra de donner une ampleur nouvelle aux réalisations des centres-villes vivants avec l'objectif ambitieux d'atteindre un investissement de 142 millions d'euros à l'horizon 2030. Bienvenue à toutes et à tous pour ces deuxièmes assises métropolitaines du centre-ville. Centre-ville en mouvement, nous avons donc lancé cette association parce que nous étions convaincus que les maires devaient s'engager beaucoup plus qu'ils ne le faisaient jusqu'alors pour la revitalisation, la permanence, la pérennité de leur centre-ville.